La reine Camilla d'Angleterre est une passionnée de littérature et de poésie. En hommage à l'une de ses fondations artistiques, elle a organisé une réception ce 11 octobre 2023. Les photographes du magazine Hello ont remarqué un joli clin d'œil au couple de Galles dans un coin de la maison. La reine de la littérature. La femme du roi Charles III a été l'hôtesse d'une réception de taille dans leur demeure de Clarence House à Londres ce 11 octobre 2023. La soirée était organisée en l'honneur des 30 ans de la Fondation Forwards Art, parrainée par la reine, qui promeut la poésie dans le Royaume-Uni et en Irlande. Les journalistes britanniques ont pu photographier les coulisses de la réception et le magazine Hello a relevé un détail posé sur un guéridon, une photographie attendrissante du prince William et de sa femme Catherine, Kate. Ce cliché date du mariage du couple princier, le 29 avril 2011, et semble avoir été prise après la cérémonie lorsque les mariés ont posé avec leurs petits pages et demoiselles d'honneur. Visiblement placée, la photo est encore une fois la preuve de l'affection que portent le roi Charles III et la reine Camilla au couple de Galles, le cliché figurant aux côtés de ceux des ancêtres du roi d'Angleterre, dans le salon de Clarence House. Photo Charles III et Camilla. Les 65 photos qui ont marqué leur histoire d'amour. Une comédienne de The Crown à Clarence House parmi les invités de la réception, la comédienne britannique Helena Bonham Carter, interprète de la princesse Margaret, sœur de la reine Elisabeth II, dans les saisons 3 et 4 de la série The Crown sur Netflix. Après avoir fait une profonde révérence à la reine Camilla, celle qui a également joué dans les films de Tim Burton ou encore la saga Harry Potter, a lu un poème de William Stafford et a longuement discuté avec Camilla autour d'une coupe de champagne. Helena Bonham Carter a confié aux personnes présentes qu'elle était une grande fan de poésie et qu'elle admirait le fait que la reine le soit également. Ont-elles parlé de la nouvelle saison de la série tant redoutée par la famille royale? Peu probable. JACOVIDESMOREAU.